connaissez tous la célèbre légende de la Belle et la Bête. En ce temps-là, j'étais le représentant de la loi. On m'appelait Shérif Otto. Je connaissais la Bête. Et je peux vous assurer que la véritable histoire est bien plus terrifiante que toutes celles qu'on vous a racontées jusqu'ici. Tout a commencé dans le palais royal où le roi Maximilien était sur son lit de mort. Votre fils n'est plus, Majesté. Il est mort à la naissance, il y a longtemps. Vous devez choisir un successeur. Et choisir l'un des membres de la famille royale ici présent, l'un de nous, vos nobles parents. Venez, cher cousin. Nous sommes les prétendants au trône les plus sérieux. Je suis le prétendant le plus sérieux contre Rodolphe. Vous n'êtes qu'un opportuniste comme les autres nobles. Mais pourquoi ne pas former une alliance? Nous pourrions travailler ensemble. Je vous connais trop bien. Vous êtes vicieux et cruel. Et sans merci. Vous oubliez sans merci. Oui. Oui, Duc. N'oubliez... jamais. Sans merci. Là, vous ne risquez plus de l'oublier. À moi, j'ai besoin d'aide. Vous avez entendu, j'ai besoin d'aide! Le duc Édouard a été victime d'une mauvaise chute. Beau travail, Rodolphe. Voilà qui est très prometteur. Et à présent, mon trésor, tu viens voir maman. Cette lessive ne sent vraiment pas bon. C'est du linge sale, voyons. Que veux-tu que ça sente? Eh bien, comme ton ancien mélange, tu sais. À la lavande, à l'eucalyptus et à la camomille. Tous les clients trouvaient que leur linge sentait bon la fraîcheur des bois. Ta mère a raison, Belle. J'apporte mon linge ici pour tous les merveilleux parfums que tu lui donnes. Désolée, mais nous sommes à court de ce mélange, docteur. Par contre, j'en prépare un nouveau. Sentez un peu. Ah, Belle, toujours tes expériences. C'est à force de vous avoir regardé préparer vos remèdes. Quand j'étais petite, je me disais, ça doit être merveilleux. C'est le cas, Belle. Il n'y a rien de plus gratifiant quand les gens sont malades que d'avoir la solution pour les remettre sur pied. Et où as-tu cueilli ces herbes? Dans la forêt, maman. Comme d'habitude, essence de chêne, huile de pin, feuilles de camphre. Attends, camphre et pin ensemble? Quelque chose me dit que ces deux-là ne font pas bon ménage. Moi, je trouve que tu passes bien trop de temps à te balader en forêt. C'est dangereux, tu le sais. Mais non, maman, la forêt est un endroit magnifique et j'adore m'y promener. Dis-moi, au cours de tes nombreuses cueillettes, tu ne t'es jamais retrouvée nez à nez avec la fameuse bête? La bête? Oh, c'est juste une histoire qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Oh, ah. C'est pas encore au point. Tu
vois, ce mélange ne m'inspirait pas confiance. Heureusement que ce n'est pas arrivé dans ma lessive. C'est en cherchant qu'on trouve. Bon, du coup, je dois retourner chercher des herbes pour refaire un mélange. Tu vas sortir à 7 heures? Pourquoi pas? Il n'y a pas d'heure pour cueillir. Et puis, je doute que le docteur veuille que son linge sente la mélasse. Par Astiroth et Ishtar, par Belzébuth et Azur Mazda, par tous les cœurs des ténèbres qui croupissent sous cette terre fétide, je te commande de prendre forme. Oh. Où est mon trésor? Faites boire les chevaux. Bon sang, capitaine. Allez, on y va. Alors, comte, pour votre accès au trône, pensez-vous que ce sera un dur combat? Ça ne se fera pas sans heurts. Je veux que vous recrutiez des hommes, d'accord? Si les nobles ne veulent pas entendre raison, on en viendra à la force. Ça ne suffira pas, comte Rodolphe. Lady Hélène, que nous vaut ce plaisir? Je viens vous aider à devenir roi, cher cousin. Si on allait parler de ça. J'ai été impressionnée par votre façon de vous défaire du duc Édouard, Rodolphe. Je crains que sa mort ne soit qu'un accident fortuit. Vous êtes drôle. Vous savez bien que je vois ces choses-là. Ah oui, c'est vrai. En vous servant de sorcellerie. Grâce à elle, je peux vous faire monter sur le trône. Ah oui, et dans quel but me proposez-vous cela? En fait, il se trouve que moi aussi, j'aimerais accéder au trône. En tant que reine. Comment? Quoi? Je ne suis pas à votre goût? Vous avez un cœur noir, tout le monde le sait. Si vous voulez devenir roi, Rodolphe, vous aurez besoin de mon cœur noir. J'accéderai au trône sans votre aide, Milady. Au revoir. Oh non, j'en doute. Parce que j'ai en ma possession une chose capable de ruiner tous vos espoirs.
Réfléchissez bien à mon offre. Réfléchissez bien au plaisir que je vous donnerai, Rodolphe. Au pouvoir. Et réfléchissez bien à ce que je vous ferai si vous refusez. Lady Hélène. Lady Hélène! Lady Hélène! Est-ce que ça va, comte? Oui, évidemment. Ce n'est pas une sorcière qui me fait peur. Tiens. Alors, jolie petite villageoise, que fais-tu par ici, hein? J'ai été attaquée par la bête. La bête n'est rien de plus qu'une légende. C'est ton imagination qui t'a joué un vilain tour. Est-ce que j'ai l'air d'une idiote? Avec son arbalète, la bête a tué un loup devant moi et ensuite elle a essayé de me tuer. Une arbalète? On dit que c'est l'arme dont la bête se sert. Eh bien, c'est un trophée qui pourrait jouer à mon avantage. Oui, la bête exhibée au peuple, ça fera de vous un héros. On vous adorera pour votre bravoure. Et où as-tu vu cette bête? Par là, dans les bois. C'est un peu vague. Qu'importe. Tu vas nous guider. Déployez-vous, soldats. Bien, messieurs. Vous n'êtes pas obligé de me serrer aussi fort, je sais me tenir sur un cheval. Mais j'aime te serrer, belle. Et puis d'ailleurs, les villageoises n'ont pas souvent la chance d'être aussi proches d'un noble. N'es-tu pas flattée? Non, c'est tout le contraire, alors veuillez retirer vos sales pattes. On ne t'a pas appris les bonnes manières. Et vous, la galanterie, vous connaissez? Tu vas le regretter. Par tous les saints. Là-bas! Oui, c'est elle! Là, c'est la bête! Allez, venez! Je vais vous faire trois plus tard! Allons-y, Satan! Qu'est-ce qui se passe? Elisabeth, fais rentrer les enfants. Allez, dépêche-toi. Ils ont du docteur. C'est la bête sur le toit. On la tient, venez. Qu'est-ce qu'il faut? La maison du docteur. Je veux trois hommes postés là. Qu'est-ce qui se passe, enfin? La bête est dans la maison. Évacuez-la. Envoyez un homme à l'intérieur. Bougez-vous! Allez, courez! Il y a une chose là-haut. J'y suis. Aidez-le, s'il vous plaît! Shérif! Otto? Que se passe-t-il? Vous avez vu un fantôme? Ils vont le tuer! Qui? La bête? Et ils ont tort? Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, je t'assure! Otto, il a décapité un homme devant moi dans la forêt! Tu l'as vu? J'ai vu son corps sans tête! Alors, comment peux-tu être sûr que c'est la bête? En arrière, tout le monde! Aidez-moi! Docteur Thorne! Non! Non! Pitié! Aidez-moi! Pitié! Aidez-moi! Pitié! Lâche-moi! Lâche-moi! Non! Non! Non, c'est impossible. Garde, tirez là-haut, tirez! Quelle malédiction a attiré la mort dans notre village! Là-bas, regardez! Allons-y! Je
Je veux qu'on la capture. Avance-la. Vous parlez pas. Venez. Je promets à chacun d'entre vous que je veillerai à ce que justice soit faite. Moi contre Rodolphe de Breslau. Je m'engage à tuer cette bête. Otto? Otto, qu'est-ce que vous avez? Il faut que... Il faut que quoi? Il faut que j'aille le voir. Voir qui? Il faut que... Aidez-moi! Aidez-moi! Il faut le ramener chez lui! Allez, soldats, pressez le pas! Et c'est ainsi qu'ils se mirent tous en chasse de la bête. Je ne pouvais rien faire pour les arrêter. J'ai redouté depuis toujours qu'une telle chose se produise. Maintenant que ce jour était arrivé, j'étais impuissant. Et je savais que sans moi, la bête était condamnée. Il faut vous reposer maintenant. Je dois l'aider. Je dois l'aider. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Cette chose a tué le docteur Thorn. Non. Non, tu ne peux pas comprendre. Je vous en prie, chérie, reposez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Thank you.
quelqu'un? Pas très bien, il n'a pas pu venir, mais il s'inquiète à votre sujet. Il m'amenait de la nourriture quand j'étais enfant. En avant ! C'est vous qui m'avez sauvé en tirant sur le loup tout à l'heure, avec votre arbalète. Et ensuite, vous avez tiré vers moi, vous vous en souvenez? Pourquoi avez-vous fait ça? Pour vous faire partir. Je voulais pas que vous voyiez mon visage. Pourquoi avez-vous tué ces gens de façon aussi sauvage? De quoi parlez-vous? Je n'ai jamais tué qui que ce soit. Mais quelqu'un les a bien tués. J'ai vu le docteur Thorne massacrer. Je tue pour manger. Juste pour manger. Demandez à Otto. Otto a dit que vous n'y étiez pour rien. Mais il est trop faible. C'est pourquoi je suis là. Pour vous aider. Jusqu'à moi. C'est vous. Non. Non. Mais pas du tout. Non. Restez là. Non. Restez là. Ne bougez pas. Mais c'est pour rien. Non. Il faut me croire. Non. Ça ressemble à mon travail.
Je ne suis qu'un chasseur avec une arbalète. Je chasse les animaux. Je n'ai pas la moindre goutte de sang sur moi. Je n'ai pas amené ces hommes avec moi. Je vous crois et je vous fais confiance. Par contre, je me méfierai de cette vipère de Rodolphe. Il est prêt à tout pour prendre ce royaume. Qui êtes-vous vraiment? Vous avez un nom? Bête. Non, ça c'est le nom qu'on vous donne. Quel est votre vrai nom? Tenez, buvez. Vous devez bien en avoir un. Si j'ai un nom, alors je l'ignore. Quelqu'un doit bien savoir. Le shérif Otto, peut-être. Il vous a amené là? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il venait me voir quand j'étais enfant. Qu'il m'a appris à chasser. Et qu'il était gentil avec moi. Il vous a donné ça? Je l'ignore. Mais ça m'étonnerait. Je crois que je l'ai toujours eu. Depuis que je suis né. C'est quoi le symbole autour de la coupe? Mon blason. Vous avez du talent? J'ai beaucoup de temps en moi durant l'hiver. Quand le vent se lève et quand il se met à neiger, je m'assieds près du feu et je grave. Je grave le blason de la bête. Ne vous appelez pas ainsi. Pourtant, c'est ce que je suis. Serre-moi un autre. Tout de suite! Laisse-moi. Cette coupe ne m'est pas destinée. Si vous voulez, nous pouvons toujours la partager. Et qu'en pensez-vous? Nous pourrions boire à l'amour et aussi à notre future collaboration. Que faites-vous là? Je viens pour vous réconforter. Je crois savoir que votre journée a été rude, Rodolphe. Ah oui, et que savez-vous de ma journée? Tout, cher cousin. Vous savez, ce monstre, c'est ma création. La bête? Non, voyons, ce n'est pas la bête qui a tué le docteur et vos hommes. Alors qui est-ce? C'est le travail de mon troll. Une vicieuse machine à tuer, très obéissante, qui ne répond qu'à moi. Avec juste l'aide de cela. Un troll? Oui. Et si vous ne faites pas alliance avec moi, cher Rodolphe, ce troll veillera à ce que vous ne vous approchiez jamais du trône de notre beau pays. Alors, que comptez-vous faire? Comment ça? C'est dangereux de rester dans les parages. Ils vont envoyer des troupes pour essayer de vous tuer. Vous connaissez un autre endroit? Oui, une grotte entre les pics. Alors allez-y et restez cachés, jusqu'à mon retour. Vous ne reviendrez pas? Bien sûr que si. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ne faites pas semblant de vouloir me revoir. Des choses vraiment horribles ont dû vous arriver. Et si vous en êtes là, je me dis que c'est peut-être de ma faute. Eh bien, votre réponse? Sommes-nous alliés ou non? Supposons que l'on s'associe et que vous reteniez votre troll. Qu'est-ce qui me garantit le trône? Grâce à moi, vous aurez la bête. Maintenant, elle est crainte de tous. Si vous la capturez, le royaume entier sera à genoux devant vous. Et ainsi, le trône s'ouvrira à nous deux.
Donnez-moi une seule raison de vous faire confiance. C'est simple. J'ai besoin de vous. Jamais on ne laissera une femme régner seule. Nous le savons tous les deux. Mais avec vous à mes côtés, cela devient possible. Et sans moi, vous n'avez aucune chance. À notre nouvelle alliance, comte. Je bois au succès, milady. Je n'ai encore rien décidé en ce qui concerne notre alliance. Messire, entrez. Désolé de vous importuner, comte. J'ai jugé que c'était important. Cette fille traînait aux abords du château. Eh bien. Ne serait-ce pas notre petite furie, la fille de la blanchisseuse, je me trompe. Je crois que nous avons encore, toi et moi, un petit différend à régler. Vous connaissez cette paysanne ? C'est elle qui nous a alertés de la folie meurtrière de la bête. Avant de protester quand je lui ai demandé de nous mener jusqu'à elle. J'ai juste protesté quand vous en avez profité pour me caresser comme un vieux dégoûtant. Ça alors, tu n'as pas froid aux yeux, petite? Laisse-moi te regarder. Je vois pourquoi le comte Rodolphe était excité. C'est vrai, tu es plutôt jolie. Alors comme ça, tu as vu la bête? Est-il exact que tu as vu la bête? Je n'ai rien à vous dire, d'accord? Comment oses-tu parler de la sorte à tes maîtres, petite effrontée? Dis-moi ce que tu as vu. Je pense que le bourreau délira sa langue, milady. Oh non, ça ne sera pas nécessaire, comte. J'ai une méthode bien plus efficace. J'en ai fini avec elle. Moi, pas encore. Emmène-la au donjon et attache-la. Je viendrai tout à l'heure. Bien, sire. Toi, suis-moi. Elle n'est pas encore revenue à elle. Crois-moi, elle va se réveiller. Et elle le regrettera aussitôt. Emmène-la. Cette bête doit mourir. Ça va de soi, enfin, milady. Pas pour la raison que vous croyez. Il y a de fortes chances pour que la bête nous empêche d'accéder au trou. Il y a un problème? Ce sont les ordres du comte. Au donjon. Enchaîne-la comme il faut. Regardez-la. Elle est encore avec les fées. Attention! Avec les fées, c'est toi qui es avec les fées, mon idiot! Ouvre cette porte! C'est fermé de l'intérieur. Allez, trouve une hache. Où vas-tu comme ça? Dépêchez-vous! Oui, capitaine. Enfoncez cette porte! Oui, capitaine. Tu vas avoir affaire à moi! Alors, ça vient, oui, je suis presque. Le blason de la bête? Bon sang, d'où vient ce vacarme? Garde,
Garde, que se passe-t-il? Je suis prêt, capitaine. Allez, garde, chien. Laissez-moi passer. Personne à son poste. Garde. 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 Où sont-ils tous passés? Ça ne peut pas attendre. Nous devons parler de la bête. Eh bien, allez-y. J'aimerais savoir comment cette bête peut me barrer la route. Les escaliers! Les escaliers! Vous êtes au courant pour le fils de Maximilien, mort à la naissance? Oui, il était déformé. Et il n'a pas survécu. C'est ce que l'on a tous cru. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à ce soir. Et alors? Et alors, il se pourrait qu'il ne soit pas mort. En fait, la bête pourrait bien être le fils de Maximilien. Rien ici. Elle n'est pas là non plus, capitaine. Personne dans cette pièce. Là-bas? Non, elle n'y est pas, capitaine. Qui d'autre est au courant? Personne, je crois. Alors peu importe. Enfin, si on l'apprend, il sera couronné. C'est absurde. Les volets ne sont pas fermés. Elle n'a pas pu escalader, capitaine. C'est impossible. Apportez-moi une torche et que ça saute. Écoutez. Le simple fait qu'il soit en vie est une épée au-dessus de nos têtes. Personne ne voudra d'un monstre pour roi, même si c'est l'héritier. Réfléchissez, Milady. Écoutez, écoutez. La bête doit mourir, et le plus tôt sera le mieux. Très bien. Il ne reste plus qu'à le trouver. Vous voyez quelque chose, capitaine? La voilà. On la tient! Dépêchez-vous! Vite, gars! Vite! Se pourrait fort que la petite belle vienne de nous fournir le moyen de le retrouver. Les cheveux de la bête. Par la racine et par l'épine. Par la lame et le calice. J'appelle celui à qui appartient cette mèche. Bête de la forêt, m'entends-tu? Quoi? Qui est là? Une amie. Qui veut t'avertir d'une chose. Où êtes-vous? Montrez-vous. Belle court un grand danger. Belle. Elle est traquée par le troll. Il l'attaquera demain matin. Toi seul peux la sauver, Belle. Comment? En te rendant sur place. Elle sera chez elle, au village. Tu dois la sauver. Je vous vois pas. Je vous connais pas. Pourquoi devrais-je vous croire? Tu peux faire comme tu veux. Mais je te préviens. Le troll la tuera à l'aube. Et ce sera par ta faute. Ah, on dirait qu'il a marché. Impressionnant. Maintenant? Vous n'avez plus qu'à être demain au rendez-vous. Allons par là. Viens, capitaine. Et votre troll, où sera-t-il? Oh, il sera là. Lady Hélène, j'ai vu cette créature, elle est dangereuse. Oui, mais étant donné que nous sommes alliés, comte, vous n'avez rien à craindre. Le troll est sous mon contrôle. Vous en êtes vraiment sûre? Certaine. Rappelez-vous, il ferait n'importe quoi pour ce breuvage. Et bien sûr, il ne vous attaquera que si je lui en donne l'ordre. Alors il est inutile que vous soyez là. Si, il faut que je vienne. Si la bête parle avant qu'on la tue, nous prenons un risque. Vous êtes sûr que la bête sera dans cette maison demain matin? Si ce n'est pas le cas, il faudra s'arranger pour faire croire que c'est l'assassin. Mais ne vous en faites pas. Ma créature aura ses consignes. Là-bas, capitaine!
ne suit pas les chiens? Non, je pense qu'elle est allée par là. Vous êtes sûr? Ah oui, elle a suivi le ruisseau pour semer les chiens. On va la pêcher comme une truite. Venez! La blanchisseuse. Où habite la blanchisseuse? C'est cette maison. Merci. Encercler la maison. Il faut bloquer toutes les issues. Celui qui m'amène la tête de la bête recevra 1000 florins. Écoutez-moi! Le troll va entrer par le toit! Vous allez être sa proie! Ouvrez! Il va bientôt arriver! Partez! Ouvrez cette porte! Ou vous allez mourir! Arrêtez! Laissez-moi! Au secours! Laissez-lui le temps de la tuer. Laissez-moi en paix! Ne le laissez pas se rapprocher de vous! Voilà. Maintenant. Alors, à nous deux.
C'est le moment que j'attendais. On dirait que la bête est prise au piège. Ton déchaînement meurtrier s'arrête ici. Et le peuple va pouvoir me remercier de l'avoir débarrassé de toi. Mes félicitations, comte. Le peuple vous doit une fière chandelle. Vous me féliciterez quand j'en aurai fini avec lui. Bien sûr, votre seigneurie. À la fin du procès, nous chanterons vos louanges. Un procès? Allez, attachez-le vite. Eh bien, shérif. Quel procès? On vient de l'attraper en flagrant délit. Avec la pauvre blanchisseuse qui baigne dans son sang, tout l'accuse. Mais le roi Maximilien tient à juger les gens avant de les déclarer coupables. Le roi Maximilien? Et avant de les condamner à mort. Vous avez juré de faire respecter ces lois, tout comme moi, aussi longtemps que le roi est en vie. Maintenant, veuillez m'excuser. Le comte Rodolphe a capturé la bête. Elle sera jugée demain lors d'un procès. Comte, venez me rejoindre et acceptez les acclamations du peuple. Allez, suivez-moi, la prison l'attend. Merci à tous, merci. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Qu'il s'échappe peut-être? Allez. Bon sang. Quel inconscient vous faites! Il fallait le tuer à la première occasion. Mettez-le en cellule avant qu'on se jette sur lui. Enfermez-le. Et après, apportez-moi la clé. Voilà, c'est lui. Reculez, vous tous. Allez, avance. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est ma mère. Il lui arrivait quelque non, chose. Faut pas. Arrête. Navré, belle. Ta mère est morte, tuée par la... Non. Si je ne respectais pas la loi, j'aurais tué ce monstre. Je veux voir ma mère. Allez. Lâchez-moi, il faut que je la voie. Je réclame un procès immédiat. La bête ne doit pas commettre à nouveau pareille atrocité. Un jury sera réuni le plus tôt possible. En attendant, compte encore toute notre gratitude. À demain, alors. Pour vous, votre erreur va nous coûter cher. Elle travaille si dur. Elle travaillait si dur pour moi. Je ne lui ai jamais dit combien je l'aimais. Elle le savait. Je ne pourrais jamais lui dire. Vila! Recommencez! Et je vous plante ça entre les deux yeux avant que vous ayez le temps de presser sur la détente. Essayez pour voir! On n'oubliera jamais ta mère. Ni toi, ni moi. Mais c'est de ma faute. Ta faute? Ah oui, et comment? J'ai été voir la bête. Je sais que sans moi, la bête ne serait jamais venue au village. Elle ne me dit pas que tu penses que c'est la bête qui a tué ta mère. Otto, elle se trouvait dans la même pièce que ma mère morte. C'est le troll qui a fait ça. C'est le troll. D'accord. Écoute, il me l'a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit à sa cabane l'autre jour. C'était un troll. Mais qu'on me dise où il est, ce troll.
À chaque fois qu'un malheur arrive, la bête est là, comme par hasard. C'est un monstre. Non, 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 non. Vous pouvez m'expliquer, alors ? Qui est cette bête ? Tout a commencé lorsque Maximilien est tombé amoureux de Lady Helen d'Augsbourg. Pendant longtemps, c'était la seule étrangère. Il était fasciné par elle. Ils étaient inséparables. Et ils se sont mariés ? Non, parce qu'il a découvert qu'en plus d'être cruel, c'était une sorcière. Il a rompu et ils sont devenus les pires ennemis. Le roi a épousé la belle Élisabeth d'Autriche. Non. Et puis ensuite, ils ont eu un fils. Mais je croyais qu'il n'avait pas d'enfant et que la reine était morte en accouchant d'un bébé mort-né. Non. Hélène a jeté un sort sur le bébé et le pauvre était horriblement difforme quand il est né. Maximilien était tellement dévasté par la mort de sa femme qu'il n'a pas accepté l'enfant. Comment savez-vous tout ça, Otto ? J'étais domestique au palais. Et j'avais pour ordre de me débarrasser de l'enfant. Il avait beau être hideux, je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Alors je l'ai emmené dans une cabane de chasseurs où j'allais avec mon père quand j'étais jeune. Je lui amenais des vivres le plus souvent possible. Ensuite, je lui ai appris à chasser pour qu'il puisse se nourrir seul. Le roi sait que son fils est vivant ? Non, non. Personne ne le sait. Peu à peu, j'ai appris à le connaître. Et j'ai découvert que, sous son apparence hideuse, se cachait un être d'une gentillesse et d'une bonté que je n'ai trouvé chez nul autre. Un vrai prince, Belle, tu peux me croire. Un vrai prince ? Il le sait, au moins ? Non, ça aurait été trop cruel. Vous avez l'air de beaucoup l'aimer. Je le considère comme mon propre fils. Et je sais qu'il ne ferait jamais les choses horribles dont on l'accuse. Je comprends mieux, c'est juste que... Quoi, Belle ? Je crois que je l'aime bien, moi aussi. Allez, viens, allons le voir. Arrêtez-vous ! C'est moi, Shérif Otto. Laissez-nous passer. Arrêtez-vous ! Que fait-elle ici ? Cette jeune fille a le droit de rencontrer l'assassin de sa mère, capitaine. Alors laissez-nous passer. Si vous y tenez, mais je vous préviens, il a une arme et il peut vous tuer de sa cellule. Et comment se l'est-il procuré ? Allez savoir. Merci du conseil, mais on va prendre le risque. Ce sera inutile de monter la garde toute la nuit, soldat. Il ne risque pas de s'échapper. Même s'il est armé, ça ne craint rien. Le comte nous a donné des ordres. Surveillez cette chose jusqu'à l'exécution. Le procès est une perte de temps, si vous voulez mon avis. Je suis innocent. Je le sais. Maintenant qu'Otto m'a raconté votre véritable histoire. Quelle véritable histoire ? Qui vous êtes vraiment ? Vous avez le droit de savoir. Belle, s'il te plaît, non. Non, d'accord, si tu tiens. La petite peste. Pourquoi Rodolphe n'a-t-il pas éliminé la bête plus tôt ? Et pourquoi n'ai-je pas éliminé la fille ? Je t'enverrai bien, mon trésor. Mais on ne peut prendre le risque de laisser quelqu'un te voir. En tout cas, pas avant que la bête n'ait été condamnée. Mais après ça... Tu ne manqueras pas de travail, je te le promets. Votre place n'est pas dans cette cellule. Vous devriez être au palais, célébré comme le nouveau roi. C'est vrai. Vous ne croyez pas ? Je vous crois, vous. Et puis, je crois Otto. Mais qui va croire à cette histoire ? Si Hélène a utilisé la sorcellerie en vous jetant ce mauvais sort, on peut peut-être le briser. Le briser ? Dans les contes de fées, il y a toujours un moyen. Lequel ? Approchez. Plus près. Votre visage entre les barreaux. Qu'est-ce que vous allez faire ? Fermez les yeux.
m'avez embrassé. J'essayais de briser le sort. Ça n'a pas marché, on dirait. Non. Allez, ça suffit. C'est l'heure, Belle. Il est temps d'y aller. Viens. Le roi est mort. 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 Amenez-le ici. Mets ta tête là-dedans. Allez, garde la tête baissée. Allez-y, dépêchez-vous. Appuyez, bon sang, plus fort. Donnez-le. Voilà. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? On suit les ordres. C'est un procès, ça n'est pas une séance de torture, bon sang. On attache le prisonnier pour garantir la sécurité du jury. Et pour avoir la paix. C'est moi le shérif ici. Et je ne vais pas vous laisser faire ça. Nous prenons ces mesures à cause de vous. Quoi? La bête vous a attaqué. D'où sortez-vous? Ça, personne ne m'a attaqué, voyons. Oh, si elle vous a attaqué. Cette bête est vicieuse, hein? Cachez-le à l'abri des regards. Ce sera fini quand il reviendra à lui. Tu as trouvé la fille? Non, sire. Quoi? Elle a disparu. J'ai fouillé tout le village. Je pense qu'elle s'est échappée. Pourquoi rien? Peu importe. L'endroit sera cerné. Si elle tente quelque chose, on l'aura. Quand la bête sera morte, on sera tranquille. Il m'a réveillé et m'a demandé où la blanchisseuse habitait. Et je lui ai montré. Après ça, il a frappé ma tête contre la table. J'ai trouvé la blanchisseuse déchiquetée. Et la bête était penchée sur elle, couverte de sang. C'est le même monstre que j'ai vu à la vieille cabane de chasseurs, où il a massacré de nombreux hommes. Je crois que ça suffira pour l'accusation. Des témoins pour la défense de l'accusé? Personne? Shérif Otto, est-ce que vous souhaitez défendre l'accusé? Le shérif Otto est trop souffrant pour venir. Il a été attaqué par la bête ce matin même. Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas. Il est coupable. Et la bête ne peut rien dire pour se défendre. Membre du jury, avez-vous un verdict? Dans l'affaire de l'assassinat de la blanchisseuse Anna, la bête est-elle reconnue coupable ou non coupable? On a un verdict, messire. Et quel est-il? Je vous écoute. Tout le monde vous écoute. Coupable, messire. Silence! Silence! J'annonce alors la sentence. La décapitation. Immédiate. Bravo! Exécution. Qui a lancé ça? J'arrive juste à temps. Écartez vos mains. Attention. Regardez! Ils se sont enfuis! Non! Pauvre idiot!
La justice des hommes ayant échoué, il ne reste plus qu'un moyen. Je veux que tu élimines la bête. Je sais, il est plus fort que toi. Presque aussi moche. Mais... que dirais-tu d'un peu de ça? Attends. Tu n'en auras qu'une fois le travail accompli. Et pour ça, je vais te donner un petit coup de main. Sais-tu ce qu'il y a là-dedans? Ceci sert à transformer les êtres vivants en pierre. Et voici le meilleur moyen d'administrer à la bête la dose de poison suffisante. Là, je mets du poison sur la dague et toi, tu n'auras plus qu'à le poignarder. Sauf si tu es trop effrayé pour lui porter ce coup. Attends. Maintenant, file dans la forêt et traque la bête. Oh, j'oubliais, troll, la fille est avec lui. Si tu es d'humeur, fais-toi plaisir et dévore-la tout cru. Cours ! Vous êtes revenu. Bien sûr. Pourquoi ? Je me suis dit que c'était la chose à faire. Vous auriez pu mourir. C'était quand même la chose à faire. Et c'est aussi parce que... Oui. Parce que je tiens à vous. Il faut qu'on retrouve autant. D'accord. Mais d'abord, on doit faire une chose. Quoi ? Il faut aller au cœur de tout ça. Trouver la cause et le responsable. La sorcière. Exact. Vous devriez être en colère et furieux. Cette femme a gâché votre vie. De la colère? Oui, je ressens de la colère. Mais elle a fait de moi ce que je suis. J'ai peur de ce qu'elle pourrait encore me faire. Alors il faut la tuer. Est-ce qu'on peut la tuer? Je l'ignore. Mais si on ne fait pas quelque chose, le comte Rodolphe et elle vont s'emparer du trône. Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire? Vous croyez que le peuple voudra de moi comme roi? Non. Ça m'étonnerait. Alors pourquoi devrais-je le faire? Parce que c'est la chose à faire. Et parce que j'espère que vous tenez à cette terre et à son peuple. Le peuple qui m'a abandonné. Le peuple qui m'a craché au visage. Le peuple qui voulait ma mort. Oui, tout le peuple. Dites-vous que le peuple lui aussi a peur. Il y a des ignorants, mais il y a aussi des gens bien. Pensez à Otto, pensez à ma mère. Ces gens ont besoin qu'on les protège. Contre la sorcière? Oui, contre la sorcière. Vous me demandez beaucoup. Et vous avez beaucoup. Est-ce que ça va? Oui, je n'ai pas été touchée. Et j'ai pris une décision. Laquelle? De tuer la sorcière. On dirait un vrai chasseur. Un chasseur de sorcières. De monstres, plutôt. Oh, pardon, je m'excuse. C'est le troll qui est un monstre, vous n'en êtes pas un. Je
C'est juste mon physique qui est monstrueux. Je ne trouve pas. Et puis, ce qui est monstrueux, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, on est des chasseurs de monstres, d'accord? Vous ne songez pas à venir avec moi? On va chasser ensemble. Ou rien du tout. Comment? Tu n'es qu'un espèce de crétin sans nom, pauvre idiot! Je t'ai donné le poison le plus maléfique que je possède. Je t'ai donné la meilleure dague jamais fabriquée et tu as échoué! Je devrais te remettre dans le chaudron dont tu viens. Allez, dans ta cage! Non! Troll, tu devais réussir pour que je t'en donne. Non! Tu n'en auras pas, et cela jusqu'à nouvel ordre. Et s'il devait m'arriver quelque chose, je suis la seule à connaître la recette de cette potion. Dans ta cage! Tu finiras par revenir. Tu tiens trop à cette potion. Maintenant, réglons le compte de la bête. La fumée, mais d'où provient-elle? Mesurez à moi, bête. J'invoque l'esprit d'Azur Mazda, dieu de l'orage. Approche-t-on. Tu es dans ma ligne de tir. Avec ça, tu n'iras pas loin. Alors tu viens pour me tuer. Personne ne mérite de mourir autant que vous. C'est peut-être vrai, mais avant, réfléchis bien à une chose. Quelle chose? C'est moi qui t'ai jeté un sort. C'est justement pour ça que vous devez mourir, sorcière. Et aussi pour ça que tu dois me laisser la vie sauve, car moi seule peux te faire redevenir comme avant. Si tu me tues, tu resteras la bête pour toujours. Si tu m'épargnes, je te transformerai de nouveau en prince. N'est-ce pas un merveilleux marché que je te propose? Vous êtes sans cœur. C'est vrai, mais... là-dedans... se trouvent les cheveux que j'ai prélevés sur toi quand tu étais encore humain. Je m'en suis servi contre toi, mais aussi pour donner vie à mon troll. Je lui ai donné ta vie. Et je suis la seule à être capable de la lui reprendre. Vous êtes la seule. Tu as besoin de moi. Ce royaume a besoin de moi. Avec mes pouvoirs et ta force, nous pourrions régner ensemble. D'abord, prouvez-moi que vous pouvez me rendre visage humain. Chaque chose en son temps, voyons. Maintenant! Ne me menace pas si tu veux que je t'aide, Max. Max? On t'aurait baptisé de la sorte. Comme ton père, Maximilien XIVe du nom. Mais il n'a pas trouvé mieux que de t'abandonner. Transforme-moi maintenant, ou tu meurs. La menace ne te servira à rien avec moi. C'est la chose que je déteste le plus. Personne ne dicte sa conduite à Hélène d'Oxbourg. Non! Ah!
ne m'attendais pas à faire une aussi belle prise. Tuer la bête et trancher la gorge de sa belle dans la foulée. Comment oses-tu? Vous l'avez tué pour moi. Je n'avais pas le choix. Si, me laisser mourir et redevenir comme avant. Si vous mourrez, je n'ai pas de raison de continuer à vivre. Vraiment? Oh, oh non, Seigneur. Oh Seigneur. Il doit bien y avoir un remède quelque part. Oui. Voilà. Non. Contre Rodolphe. Déchargé. Il a capturé le troll. Il va s'autoproclamer roi. En quoi ça me concerne? Vous plaisantez? Vous êtes l'héritier. Je le serais si je n'avais pas tué la sorcière. Vous l'êtes encore. Qu'elle vous ait changé ou non. Si le comte Rodolphe devient roi avec ce monstre à ses côtés, ce sera une catastrophe. Belle. Ils me détestent tous. Et puis... on est deux, c'est tout. Non, on est trois. Ne m'oubliez pas. Otto. Vous êtes venu. On dirait que vous n'avez pas eu besoin de moi. Il doit forcément y avoir une potion qui pourrait nous servir. Silence! Assez, taisez-vous et écoutez-moi. Et pourquoi devrions-nous vous écouter, Rodolphe? Si nous voulons choisir un nouveau roi, il faut être à l'écoute des autres. À votre écoute, vous voulez dire? Oui, c'est déjà ça. Après tout, qui a capturé la fameuse bête de la forêt? Oh, et qui l'a laissé s'échapper? Soyez franc, cela ne serait pas arrivé sans sorcellerie. Ah oui, la sorcellerie. Comte, je crois savoir que vous êtes devenu ami avec la sorcière Hélène d'Augsbourg, n'est-ce pas? On ne veut pas d'un roi allié à une sorcière, alors descendez de là, Rodolphe, et tenez-vous tranquille. Oui, en effet. Lady Hélène est une de mes amies. Et d'ailleurs, elle m'a offert un très beau cadeau. Rentrez donc chez vous pour jouer avec. Découvrez-le. Non. Je pense que je vais vous laisser ce plaisir, Duc. Il y a encore peu, cette créature n'obéissait qu'à Lady Hélène d'Augsbourg. Mais il semblerait qu'elle ait reporté toute son affection sur moi. Il est effrayant. Je vous ordonne de fermer cette porte. Choisis un de ces hommes et tue-le. Juste. Après ça, regarde ce qui t'attend. Croyez qu'on est intimidé par votre bestiole? Nous sommes tous armés! Vos épées ne font pas peur à mon troll. Attaque! Belle démonstration, n'est-ce pas? Cela mérite des applaudissements, vous ne croyez pas? Alors? Duc Henry, vous ne voulez pas froisser ma créature? Thank you.
C'est bon, retourne dans ta cage. À présent, messieurs les nobles, le temps est venu de choisir le nouveau roi. Excellent travail. Nous sommes plusieurs à pouvoir prétendre, aussi bien par le rang que par la descendance, au titre de roi. Mais au vu de ma récente contribution à la sécurité du royaume, j'estime être le favori. Alors je vais demander à chacun de vous s'il soutient ma candidature. Et je vais commencer avec vous, Duc Henri. Ai-je votre soutien ? Oui, comte Rodolphe. Plus fort, je n'ai rien entendu. Oui, comte Rodolphe. Tous les autres ? Ai-je votre soutien ? Oui, contre Rodolphe. Oui, contre Rodolphe. Eh bien, je ne peux vous remercier de m'avoir nommé unanimement à ce poste qu'en acceptant. Pardonnez-moi, comte. Le shérif Otto a capturé la bête et la fille. Faites-les s'avancer. Qu'ils s'agenouillent devant notre nouveau roi pour qu'ils décident de leur sort. Je vous félicite, Votre Majesté, de porter un tel monstre devant la justice. Il faut bien que quelqu'un s'en charge, non ? Vous ne vous êtes pas gêné en me faisant passer pour un criminel, mais le coupable de tous ces crimes, ce n'est pas moi, c'est ce monstre de troll. J'ignore de quoi tu parles. Soldat, emmenez la bête. Je n'en ai pas fini avec vous ! Maîtrisez-le ! Ah ! Oh ! Emparez-vous de lui ! Je vois que le comte Rodolphe a fait usage du troll de la sorcière pour vous intimider. Mais la vérité, c'est que vous n'avez nul besoin de choisir un roi. Vous avez devant vous l'héritier de la couronne. Tu as perdu la tête. Non, je suis Maximilien XIV, le fils de Maximilien XIII. Transformé en monstre à la naissance par la sorcière Hélène d'Augsbourg, abandonnée dans la forêt. Et sauvée par cet homme, qui, comme vous le savez tous, travaillait comme domestique au palais. Il dit la vérité. C'est en le mettant au monde que notre chère reine est morte. Et ceci est la coupe royale qu'on a mise dans mon panier quand j'étais enfant. Qui va croire à tel tissu de mensonges et de sottises? Tous ceux qui savent reconnaître la vérité, Rodolphe, et qui savent que vous êtes un être cruel, sans merci et avide de pouvoir. Je suis de cela. Tu oublies le troll, mon ami. Le troll a peur de moi, Rodolphe. Presque autant que vous. Vous voyez, c'est avec mon humanité que la sorcière a créé son troll. Il sait que je suis déterminé à la lui reprendre. Il ne lui fera rien. Ne t'inquiète pas. Mais à condition que tu renonces à monter sur le trône. N'est-ce pas, troll ? Alors, avoue que ton histoire n'est qu'un tissu de mensonges et quitte le royaume sans jamais revenir. Allez, dis-le, et je retiens le troll. Non, pas ça ! S'il vous plaît, ne dites rien ! Ne le faites pas pour moi ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! Dis-le ! D'accord, d'accord. Je déclare renoncer à... Non ! Je déclare renoncer tu à... Tu ne renonces à rien ! Oh, non. Tu l'as !
Je proclame le début du règne d'un nouveau monarque. Maximilien XIV. Je promets de régner en veillant sur chaque femme, enfant et homme de ce royaume aussi longtemps que je vivrai. Et le roi tint sa promesse. Aussi longtemps que le couple régna, le royaume connut la paix et la prospérité. On pouvait aussi apercevoir deux statues curieuses sur la place du village, juste pour rappeler aux gens la chance qui était la leur.